juste en dehors de Las Vegas, là, en direction de Los Angeles. 15 minutes à peu près. Station service Chevron. Possède la plus grande dans le coin. C'est vrai qu'il y a un sacré paquet de... endroit pour prendre son essence. Et le prix est pas génial, par contre. C'est $1 plus cher qu'à Vegas, même. Voilà, nous sommes le 19 avril 2023. Et il est même pas 7h, 7h moins le quart du matin. Et là, je suis à un endroit qu'on appelle le Valley Wells. C'est un endroit qu'on utilisait pour faire fondre du cuivre. Donc il y a pas mal de mines dans le coin. Et c'est les vestiges de cette opération. Différents bassins là. Il fait un peu frisqué là. Donc je pense que dans quelques semaines, ce sera insupportable la chaleur. Et là, il y a deux grands bassins dans le fond. Ouais, intéressant à découvrir. Ça s'est fait au début du XXe siècle, vers 1900 environ. Ouais, ici, ils avaient dû établir une espèce de toboggan pour aller dans ces bassins. Et là, on a une pierre très très noire. Mais c'est peut-être en relation avec le cuivre qu'on faisait fondre. Ouais, le désert est splendide à ce heure-là. Et là, dans le fond, c'est l'autoroute 15. Je repars vers Los Angeles. Voilà, j'étais parti voir ma mine de cuivre. Je me suis arrêté de l'autre côté de l'autoroute et j'ai voulu aller sur cette route pour voir un truc que j'avais repéré. Apparemment, c'est une maison particulière qui vit, où des gens vivent là-bas. Mais je me suis... j'ai essayé d'aller un petit peu plus loin. Je voulais prendre ce bus en photo. Il y a un gars très gentil qui est venu me dire qu'il n'avait pas le droit de le faire. Alors voilà. Et je lui dis, je peux envoyer un drone. Il m'a dit, ouais, ok, pas de problème. Donc c'est ce que j'ai fait. Toujours en route pour Los Angeles, je suis sorti de l'autoroute. Je suis sur une piste terre battue, mais plutôt sableuse. Et là-haut, il y a apparemment un signe, ce fameux signe, ces flèches qu'on avait installées pour que les avions, qui n'avaient aucun autre repère, sachent où aller. Je crois que c'est assez loin. Je vais quand même essayer d'envoyer le drone. Voilà, le drone est parti. J'avais étudié ça sur une carte Google, évidemment, mais là, depuis le canyon, c'est moins évident. Alors, je vais un petit peu à tâtons. Ça me prend un petit peu de temps. J'ai failli presque renoncer. Et finalement, je trouve la flèche. Ça, c'est le nom de la flèche officielle. C'était la route Los Angeles-Salt Lake City, dirigée vers l'est. Content d'avoir trouvé la flèche grâce à un très bon drone. C'est un drone puissant hein, qui me permet de partir assez loin et sur lequel je peux compter normalement.
Puis après, normalement, j'ai 4 miles en allant par là pour rejoindre l'autoroute.